Un roman de Patrick Modiano ou de Frédéric Becbédé pour 50 centimes, c'est une occasion de lire à tout petit prix. Le Secours populaire des couronneries, à Poitiers, fait le déstockage annuel de sa librairie, un moyen pour l'association de récolter de l'argent pour ses différentes activités. Alors l'argent, il va au Secours populaire, qui l'utilise à nouveau pour des activités, pour des colonies de vacances, pour des cadeaux de Noël, pour toutes ces choses-là, quoi, qui sont le but du Secours populaire, aider le plus grand nombre. Et on trouve de tout, des ouvrages historiques, des romans, des livres scolaires ou techniques, et des livres pour enfants. Le choix et le prix sont des critères intéressants. Pour pouvoir leur donner le goût aux enfants. Donc s'il n'y a pas la barrière de l'argent, c'est formidable. On préfère nous les emmener avec nous, comme ça ils peuvent choisir. C'est un moment de partage. L'intérêt, ce n'est pas forcément d'acquérir des ouvrages pour les garder pour soi. Ce qui est intéressant aussi, c'est de les faire tourner et de les faire circuler. C'est complémentaire aux boîtes à livres, par exemple, où on trouve également des ouvrages gratuits. Le déstockage se poursuit jusqu'au 23 novembre, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Et si vous souhaitez faire du tri dans votre bibliothèque, le Secours populaire sera très heureux de recevoir vos vieux livres.